chillin' study. I'm armed and I'm dangerous, I can be guarded. Red car, yellow car. Found a plane, found you plane, I cannot be carded. Just aim for the target. Aujourd'hui, on est dans clique de gang, de team, de crew, de bref, whatever. Ce que je veux, c'est juste des gens qui sont passionnés. Et là, c'est la moto, c'est la bike life. Let's go, j'ai peur. Pour moi, la bike life, c'est une passion. C'est se réveiller le matin, t'as envie de faire de la moto. C'est dans les tripes. C'est dur à expliquer, en fait. Parce que ça se ressent. C'est plus facile à ressentir qu'à l'expliquer, la bike life. Moi, c'est Jimmy. Je représente Dirty Rider Crew, en même temps SOS Rodeo. Et voilà, je fais de la moto depuis plus de 15 ans maintenant. Moi, c'est Joe Waza. Je suis membre du Dirty Rider Crew. J'ai eu ma première moto à 6 ans. J'ai découvert le cross bitume parce qu'il y avait des cross, des grands qui tournaient en bas de la cité. Et tout le temps, je les regardais. Après, j'ai voulu faire pareil et voilà. Bah, moi, c'est Michael. Ça va faire 4 ans là que je suis dans la discipline, on va dire. J'ai commencé pareil à 5 ans, j'ai jamais lâché. Hein. Moi, c'est un peu plus compliqué. J'ai passé mon permis moto et un feu, il y a quelqu'un qui a levé à côté de moi. J'ai dit, c'est pas mal. Donc après, il y avait un ami qui levait et je l'embêtais. J'ai dit, vas-y, on commence à lever. Et puis, j'ai commencé comme ça. Alors moi, j'ai commencé ici, mais j'ai pas trop fait de moto en France. Et quand je suis parti en Martinique, là-bas, il y a un engouement pour la bike life qui est incroyable. Quand je suis parti là-bas, j'ai vu 2-3 amis avec des motos. J'ai demandé à essayer à 12-13 ans. Et à partir de là, je suis tombé dedans à fond, j'ai plus jamais lâché. Quoi. L'adrénaline qui nous procure, ça devient addictif. Et du coup, quand on roule pas, bah, on ressent le manque. Quoi. À l'époque, tout le temps après mon travail, j'allais directement sur les spots m'entraîner. Et j'étais avec mes amis, on était ensemble. C'est comme la pratique d'un sport, en fait. Donc après, on se sent vraiment libéré lorsqu'on s'exprime. Pour moi, la bike life, c'est un peu le skateboard il y a 30 ans, 40 ans, où c'était un peu interdit et tout. Et petit à petit, je pense que ça va se développer. 2018, ça a explosé, et ça a pris un engouement. Ça a été de plus en plus mis en avant par les réseaux sociaux. Et dans les quartiers, les petits, ils veulent plus un ballon de foot, ils veulent un cross. Du coup, bah, ça a évolué et voilà, ça a gonflé le truc. Si des associations comme SOS Rodeo continuent de nous ouvrir des portes, là, on a réussi à être affilié à la FFM. C'est un truc de fou. La Fédération Française de Moto, c'est énorme. Alors qu'on est les pesquiférés des deux roues, quoi, au final. Je suis le président de l'association SOS Rodeo. Donc je suis un rider qui a à peu près 10 ans d'expérience. Tu peux me parler de l'asso, genre d'où c'est venu, pourquoi, okay. Comment tu l'as lancé? Donc ça fait près de 10 ans que surtout on s'entraînait, on roulait, on s'amusait sur un spot officieux, un spot, un parking, un grand parking de bus. Et un jour ils ont décidé de le fermer parce qu'il y a eu pas mal de problèmes avec des drifters voitures. Donc c'est de là que m'est venue l'idée de l'association. Un jour j'ai rencontré vraiment au hasard la propriétaire des lieux. Donc je lui ai dit que j'allais faire une association, etc. Elle m'a dit vas-y essaye, donc on a fait des rendez-vous. Et de fil en aiguille, on a réussi à avoir la piste alors que je demandais pas du tout la piste. Pour eux c'est sécurisé en fait. Tu demandais quoi toi? Une ligne. Ouais. Un parking, une ligne. Comme ça par exemple. Et toi quand ils ont dû dire ok circuit et pas ligne, t'as dit qu'est-ce qui se passe? J'ai fermé ma bouche. Mais comme moi je savais ce qui se passait. Ils m'ont proposé d'être affilié à la FFM. Ouais. Après ils ont vu comment ça se passait, un roulage, deux roulages, trois. Ils ont vu que c'était pas du tout dangereux. Parce qu'on a de faibles vitesses. Et en France, en Europe, on est les premiers, on est les seuls. Mais c'est quoi la prochaine étape, mais le prochain Dream Go? Maintenant il y a le circuit Carole. C'est quoi? On veut une piste qu'on puisse gérer nous-mêmes. Okay. Actuellement, on roule à côté du circuit Carole, à Tremblay. C'est une magnifique piste, mais il y a beaucoup d'accidents. Personne n'a d'autorité pour dire qu'il faut mettre un casque, pour rouler dans ce sens, etc. Donc en fait, on veut une ligne officielle, puisque de toute façon, les lignes non officielles, on les prend, mais pas en sécurité. Je pense qu'on a été stigmatisé sur le cliché de les mecs, de ceux qui pratiquent ce sport ont des motos volées. Et du coup, bah, ce cliché, il nous suit, il nous lâche pas. C'est effectivement que l'État a resserré les taux sur nous. Donc il y a plein de personnes en homologué, en cross, qui se sont fait confisquer leur moto de façon assez simple. Hein. Ils étaient sur une ligne complètement fermée, ils levaient, la police est arrivée, ils respectent les ordres de là-haut, et ils ont confisqué les motos. Du coup, ça fait une totale, ça fait un dégoût. Bon, après, il y a aussi certains jeunes ou peu importe les personnes qui
à la vue de la police, ils sont un petit peu énervés s'ils se sont fait confisquer leur moto peut-être 6 mois avant. Ils vont pas être en grand sourire. Bonjour, moi c'est Tav, membre officiel du Dirty Rider Crew depuis 6 ou 7 ans. Et je crois que tu m'as dit que t'avais eu t'étais arrivé un sale bail. Ouais, moi il m'est arrivé une petite salade en 2020, donc ça remonte à 3 ans maintenant. On a fait un hommage pour un pote à nous qui est décédé, paix à son âme. Donc on a fait l'événement, tout s'est bien passé, les préfectures étaient au courant, la mairie était au courant. Et sur le retour, on s'est fait chasser par une voiture de police, ils ont appelé les motards. Les motards nous ont pas fait de cadeau, on était 3-4 et ils ont attrapé que moi. Et là maintenant d'avoir les flics qui viennent, là... C'est inédit, c'est beau à voir. Ouais. Et il y a quelques années, ils nous couraient après, enfin encore aujourd'hui, ils courent après des jeunes, mais du moins plus nous. Voilà, nous on fait tout pour se mettre dans le droit chemin. Et la preuve, c'est beau, tout à l'heure ils sont venus, ils sont restés au moins 2 heures, c'est cool. Ouais, ça doit faire du bien de pas avoir l'impression que t'es... C'est une autre image, ça change. Même eux, ils voient qu'en fait, il n'y a pas que des lascars de cité qui font ça. T'as l'impression que c'est ça l'image? C'est plus ça que les gens retiennent. Quartier, jeunes, racailles, voilà. Et quand on voit là, c'est quoi? Ah, vous voyez bien par vous-même, hein, on est tous des jeunes, on travaille tous. On est tous implantés dans la société. On paye nos factures, on paye nos motos, des fois 8000 euros au magasin. C'est une vraie passion. Ah oui, il y a des mecs de partout, là, surtout là. Il y a des mecs de Metz. Il y a des mecs de l'Allemagne, il y a des Américains qui viennent rouler avec nous, des Anglais, des Hollandais. C'est multiculturel, il y a tout le monde qui se mélange dans la bike life. Carrément, il y a des enfin, ça arrive pas entre nous, mais dans certains quartiers, il y a des mecs qui se calculent pas entre leur quartier, mais qui font de la moto ensemble. C'est ça rassemble. Tu vois un don là-bas? Ah oui, j'envoie directement. Alors, c'est chaud toi en vrai. Là, vous voulez que tu dans un verre, on aspire. C'est bon comme ça. C'est bon là. Là, c'est du sang blond direct. Et là, regarde, hop. Mmh. Hey, cool qu'on puisse se réunir tous une journée sur un circuit, que ce soit encadré, on peut le voir, il y a même la police et tout, et ça fait plaisir parce qu'on vient tous d'endroits différents et rien qu'un petit sport comme ça, petit sport pour l'instant, on espère, on arrive à se regrouper sur des grosses journées et franchement ça fait plaisir. Plus on se boostera, plus on fera avancer le sport et plus on sera respectueux aussi. C'est ça aussi, d'essayer d'encadrer tout le monde. Quelque chose que je sais pas faire, je vais aller voir Joe et je vais lui dire ouais comment tu passes ta jambe comme ça, et il me dira fais ça comme ça ou saute. Donc il y a ça aussi, les petites astuces, il y a des choses qu'on va peut-être, lui il va voir, moi je vais pas voir. Ouais, c'est ça, c'est de l'entraide et de l'entraînement, et beaucoup d'entraînement. Si t'as peur, t'arriveras pas à progresser. Faut pas avoir peur de se faire mal parce que ça bloque, ça te fait un blocage. Faut que tu dises je peux me faire mal, je peux tomber, je peux me faire mal, sinon tu as un blocage. Moi, je vais rebondir là-dessus parce que, bon, moi, j'aime pas trop me faire mal, mais je comprends la logique. Donc, par exemple, moi, et ce que je conseille généralement, c'est de se protéger un maximum au début. Toi, tu me disais, je me permets parce que c'est toi qui me l'as dit, tu te considérais presque un peu comme un ancien. Justement, ça te fait quoi de voir les jeunes générations qui viennent? Franchement, nous, ça nous fait chaud au cœur, surtout de les voir venir pratiquer ASOS Rodeo. Ça nous fait vraiment chaud au cœur qu'aller sur la route, en gros, faire les guignols. Entre guillemets, donc voilà, mais si vous voulez, je vous ramène voir la nouvelle génération. Ouais, comment tu t'appelles? Paco. Paco, est-ce que tu peux me dire comment t'as commencé, comment t'as entendu parler de la bike life? Bah, je commençais à rouler quand j'étais petit, et après, à mesure que j'ai grandi, je roulais avec mes potes dans les champs, tout, après on a commencé à se traîner à deux pieds, tout ça, on roulait plus longtemps. Quand t'étais petit, c'est quel âge? Je sais pas, 4-5 ans, je commençais avec des petites motos. Ouais. Et comment vous commencez à 4-5 ans? Mon père, il me courait derrière quand je voulais. Priorité à celui qui maîtrise le plus. Ça joue au niveau, en fait. Par exemple, tu vas arriver sur la piste, tu vas savoir que lui, il a un niveau un peu plus... Donc tu vas laisser, tu vas le laisser passer. Mais il y a quand même priorité à celui qui est devant. Exact.
C'est celui qui est devant qui a la priorité. Donc c'est à celui derrière de gérer ce qu'il fait pour respecter celui qui est devant. Même moi, mes figures favorites, c'est je lève, je passe le neutre, j'accélère à fond avec la main gauche et je fais l'autre main touchée par terre. C'est l'une de mes meilleures figures. Moi, ma figure préférée, en fait, moi, c'est pas une figure. Moi, c'est le flow. Il y a un style à avoir sur une motocross. Et moi, j'essaye d'améliorer ça, en fait. Et il y a quand même quelque chose que je remarque. Est-ce que c'est 100% masculin? Vas-y, quand même. Non, c'est pas 100% masculin, mais ouais, là, malheureusement, les filles ne se sont pas déplacées. Mais si, il y a quelques meufs qui font, ouais, qui font du quad ou de la moto. Accueillez-nous, hein, on a envie, nous aussi. Bah, hein. faut venir, faut s'investir. Tout à l'heure, je t'ai pas dit, mais j'ai pris une moto et ça part. Hein. Bah voilà. Quelque chose me dit que t'es fan de Pokémon. J'aime bien Pokémon, j'aime bien la lune, l'espace, tout ça. Et la musique, du coup, j'ai tout mis là-dessus. Là, c'est Ectoplasma, du coup, remis là, mais juste les yeux qui est un peu dans les ténèbres. Elle a un nom, ta moto? C'est la Snanon Bike, on l'appelle. Et puis maintenant, bah, j'ai acheté le 125 RXZ qui est là. Et elle, c'est ma moto de salon. Ta moto de salon? Elle est dans ma chambre. Ah, tu l'exposes? C'est vrai? Ouais, ouais. Je la sors de temps en temps. Elle est dans la chambre en mode posée. Est-ce que tu lui fais un petit bec le soir quand tu vas te coucher? Non, quand même pas. Mais je la bichonne un peu. Nous, on a toujours soutenu, donc voilà. Après, en étant motard, on peut pas lui interdire. Voilà, c'est juste de faire ça dans la sécurité. Et vous n'étiez pas très chaud quand même. On retourne à un an et demi en arrière, c'était inimaginable, impensable. Ouais. Nous, on habite dans le secteur, donc depuis qu'on est petit, on connaît le circuit Carole. On n'aurait jamais cru un jour avoir une journée où on peut, voilà, lever n'importe quelle moto et voilà, que ce soit accepté, quoi. Donc SES Rodeo, voilà, ils ont réussi à créer ce petit rêve. C'est un beau début. Je pense que l'idéal, en vrai, ça serait dans chaque département, pour commencer, avoir un spot, une zone industrielle où s'il y a des maires qui nous regardent ou des préfets, eh ben, de mettre un endroit le dimanche ou le samedi entre 3h et 4h où les gens ils pourront rouler. Et maintenant, si on fait ça, je pense que les jeunes pourront s'exprimer avec un cadre et on sera beaucoup plus libre et beaucoup plus satisfait. Pour commencer, bien sûr. Après, le reste, c'est tous les jours. Turning it up, Turning it up, yeah, go, the trees.